Salut à tous, bienvenue chez l'Amadoué. Alors aujourd'hui on va faire encore une petite vidéo sur les poulettes et notamment sur la lutte contre les poux rouges. Donc déjà les poux rouges, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, c'est un poux de couleur rouge qui va, comme beaucoup d'insectes femelles, piquer, sucer le sang pour pouvoir faire des œufs et donc se reproduire. Donc ça, qu'est-ce que ça fait aux poulettes? Eh bien, comme pour n'importe quel animal, ça va créer des démangeaisons, du stress parce qu'on se gratte, tout ça. Les poux ne vivent pas, enfin disons, tant qu'il n'y a pas une explosion démographique, ne vivent pas sur les poules, elles vivent dans le poulailler, donc dans l'environnement de la poule. C'est pour ça qu'il est important d'avoir un poulailler le plus propre possible et avec le moins de bois possible. Parce que du coup, dans les interstices du bois, ils trouvent des cachettes. En fait, ils trouvent des cachettes n'importe où. Mais dans le bois, c'est vraiment privilégié pour eux parce qu'il y a plein d'interstices microscopiques et ils vont aller dedans très facilement. Donc, moins s'il y a de bois dans le poulailler, et mieux c'est. C'est pour ça que moi, tout le poulailler, il est en panneau sandwich. Les perchoirs malheureusement sont en bois. Alors je vous montre, hop, donc panneau sandwich. Pourquoi? Parce qu'on a de l'isolant qui est pris en sandwich entre deux plaques de métal. Donc le poulailler, voilà, tout en panneau sandwich partout, dans tous les angles. J'ai mis du joint silicone, pareil, tous les trous de vis, les raccords, les deux plaques qui s'emmanchent les unes dans les autres. Voilà. Donc ici, vous voyez, il y a beaucoup de perchoirs, hein, il y en a plein là-haut, il y en a en bas. Donc il y a de quoi faire. Et donc les poux vont adorer se mettre, genre là derrière, dans tous les petits interstices du bois. Voilà, des fois là-haut, vous voyez au-dessus, il y a des petits écarts, c'est un peu coupé. Ils vont adorer aller là-dedans. Quand il y a clairement une infestation, on les voit. Mais si tu les vois à l'œil nu, c'est qu'il y en a énormément. C'est que c'est déjà pas trop tard, parce qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais ça veut dire que la situation est déjà critique. Donc ça va esquinter les poules, ça va les anémier. Parce que si on leur suce du sang, elles ont moins de sang, elles vont devoir recréer du sang, mais ce n'est pas à la demande comme ça. Donc voilà, ça peut leur créer vraiment des problèmes de santé. Donc pour ça, il y a plusieurs solutions. Je ne parlerai pas des solutions chimiques. Voilà, des médicaments qu'on leur donne, après on ne peut plus consommer les œufs. Enfin, ça peut être intéressant, je ne dis pas, hein, mais moi, toujours les premières intentions, c'est de faire au naturel. Donc déjà, la première intention, c'est avoir un poulailler adapté, donc avec le moins de bois possible. Tous les perchoirs, je pourrais les faire en métal. Ça, c'est ma prochaine modification que je devrais faire pour être voilà, le moins embêté possible. Clairement, elles n'en ont pas beaucoup. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, là, on a rentré des nouvelles poules. Pour ceux qui suivent les vidéos, il y a des petits poussins qui sont là. Donc, j'essaie de limiter. Donc, de manière habituelle, j'utilise ça, du vinaigre à 14%, disponible en magasin de bricolage type Le Roi Malin ou Brico Ramor. Voilà, celui-là, il est pas mal parce qu'ils le vendent aussi en bidon de 5 litres. Donc après, il n'y a plus qu'à remplir. Donc c'est du vinaigre, voilà, il est pas, moi je le dilue pas. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Et bien, sur le bois, je vous montre ici, admettons, hein, et bien on va asperger et surtout essayer d'aller dans les interstices. Donc que ça aille derrière la plaque. Et puis clairement, on peut en mettre au taquet, hein, ça va pas. Voilà, je vous montre pour la démo, hein, j'en mets à l'extérieur, mais habituellement je le fais jamais, hein, d'en mettre dehors. Parce que donc les poux, eh ben, ils sont sensibles à la lumière, au chaud, au froid. Donc voilà, c'est vraiment à l'intérieur du poulailler. Et là, aujourd'hui, je teste un nouveau produit. C'est ce qu'on appelle les Androlis.
Les Androlis, ce sont des acariens mangeurs de poux. Donc ça, c'est génial. Faire avec et pas contre, hein, vous le savez, c'est le leitmotiv ici à la ferme. Donc c'est faire avec la nature et pas contre elle. C'est éviter d'utiliser des produits chimiques où il va y avoir des résistances. Il va y avoir des résidus. Voilà, certains produits, pendant plusieurs jours, on ne peut pas manger les œufs, mais ça veut dire qu'il y a des résidus aussi. Voilà, et donc quand l'insecte va piquer le sang, eh ben, le sang, il est empoisonné. C'est ça qu'il faut bien voir. Hein. Avec, pareil, les produits antipuces pour les chats, les chiens. Est-ce que nous, on ferait pareil pour que les moustiques qui nous piquent, ils meurent? Déjà, sur la transmission des maladies, c'est bof, parce qu'il faut que l'animal nous pique pour qu'il aspire le poison qu'il y a dans notre sang. Le sang devient empoisonné. Donc voilà. Chez moi, enfin, en tout cas chez, pour nous les humains, que ce soit pour les chiens ou les autres animaux, c'est l'un des derniers recours d'empoisonner le sang des animaux. Quoi. Voilà, donc je vous montre les Androlis. C'est la première fois que j'utilise, voilà, ah oui, il y avait une, désolé, je filme en même temps. Vous le savez, c'est dans les conditions du direct à chaque fois. Alors voilà, parce qu'il y avait une petite notice. Et voilà comment ça se passe, Androlis. C'est ça. Hein. Donc là, c'est taille L. C'est pour 30 poules. Là, ils le mettent. Donc, ceux qui suivent les vidéos, vous saviez, j'en ai récupéré, enfin, j'en ai acheté 20 il n'y a pas longtemps. Et ici, à la ferme, il y en a déjà une dizaine. Donc, voilà. Et là, on pouvait enlever ce côté-là et accéder. Voilà, c'était en allemand et tout. Mais le français, voilà, était là derrière. Ils disent que c'est efficace. Hop, un petit zoom. Voilà, 8 à 10 semaines. On peut le garder 3 à 4 semaines à 4 à 10 degrés. Mais clairement, quand je me suis renseigné, tout le monde déconseille de les garder. Parce que donc, ce sont des animaux vivants. Et ils ne sont pas ad vitam aeternam. Alors, donc ils sont cantonnés dans du son de blé. Pour qu'ils aient à manger, je vais vous en montrer un peu, mais clairement, dès que j'ai ouvert la boîte, il y en a plein qui me sont montés dessus. Alors, on va les voir là, il y en a là, sur le côté. Vous voyez là, ça bouge là, au bout de mon doigt. Donc les poux rouges vont faire à peu près cette taille. Les poux rouges, ils peuvent nous monter dessus, c'est tout petit, on les sent quand même circuler. Ça ne peut pas nous piquer, ça ne peut pas piquer non plus les chats ou les chiens. Ils sont vraiment les poux rouges adaptés au pH, enfin je crois, c'est ce qu'on m'a dit, le pH de la peau de la poule. Donc comment est-ce qu'on utilise ce produit? Je vous raconte ce qui a marqué. Hein. C'est soit on ouvre là et on va mettre un genre de clip sur le mur qui va tenir le seau comme ça, donc avec le mur qui est ici, hop, comme ça. Et du coup, ça va se déverser. Eux, ils vont pouvoir sortir, aller dans l'environnement, donc dans le poulailler. Mais il est quand même conseillé de saupoudrer les endroits à risque. Et donc, clairement, dans le bois-bois. Alors, on peut en mettre aussi dans... les pondoirs... Donc normalement, les poules ne dorment pas dans les pondoirs. Hein. Sinon, on y retrouve énormément de caca. Bon, je fais en même temps, c'est dans les conditions du direct. Mais en gros, là, ici, moi, ce que j'ai à surveiller, c'est par exemple la grande poutre là-haut. Parce qu'avec mon spray, donc je passe partout... habituellement à mon spray au vinaigre, mais il y a des zones bah, où c'est moins facile d'accès quoi. Donc là je vais pouvoir balancer de la poudre là de son de blé avec les Androlis et bah, laisser agir, ça va agir donc 8 à 10 semaines. Voilà, bah, je terminerai après. Ce qu'il faut retenir, c'est que donc ça va agir 8 à 10 semaines.
Il y a différents contenants. Là, j'ai pris un L pour 30 poules, mais il y en a des plus petits pour 10 poules. Je crois qu'il n'y a pas de contenant à moins de 10 poules. Mais voilà, autant en mettre dans l'environnement, dans le poulailler. Et après, ils vont se débrouiller. Hein. Donc là, niveau tarif, celui-là, il me semble qu'avec les frais de port, j'ai payé 50 et quelques euros. Voilà, on va voir ce que ça donne. Moi, j'ai clairement, enfin, je pense pas avoir clairement beaucoup de poux parce que je traite régulièrement. Donc, quand je fais des traitements au vinaigre, ce que je conseille aux gens, c'est de le faire plusieurs jours d'affilée. Et après, vous êtes tranquille à un moment, quoi. Donc, moi, je le fais au moins 4-5 jours d'affilée. Et après, je refais ça 10 jours plus tard, par exemple, quoi. Je m'acharne pas à faire ça absolument tous les jours, quoi. Mais moins il y a de bois, encore une fois, dans le poulailler, moins il y aura de problèmes. Enfin, moins il y a d'interstices. Donc, dès qu'on peut mettre du joint silicone bien lissé partout, même s'il y a du bois, par exemple, là, dans les encoches, là, derrière, là, j'aurais pu aller mettre un petit coup de joint, quoi. Voilà. Et donc, voilà, ça, c'est cool. C'est la lutte biologique, hein, faire avec et pas contre. Donc, c'est l'idée ici. Et on va voir ce que ça donne. Parce que donc, si les poules sont vraiment infestées, elles peuvent se piquer les unes les autres, être anémiées. Enfin, c'est vraiment pas cool pour elles. Donc, il faut essayer de limiter ça au maximum. Et souvent, parce qu'il y a pas mal de groupes Facebook ou de forums, de choses comme ça, voilà, tout le monde parle de produits chimiques. Ils disent qu'il faut passer le poulailler au feu. Alors oui, mais putain, c'est du boulot, quoi. Là, entre guillemets, vous avez vu, il y a juste à saupoudrer un petit peu de poudre de perlimpinpin magique. Et on va voir ce que ça donne, quoi. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus par rapport à ça. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà, donc en théorie, là, 8 à 10 semaines de protection, c'est cool. Pourquoi je fais ça aussi maintenant? Parce qu'on est à l'automne. Et je pense que d'ici 8 à 10 semaines, ça va être enfin l'hiver. Et donc là, pareil, la prolifération va se faire beaucoup moins parce qu'il va faire froid, quoi. Donc c'est plus compliqué pour les poux rouges. Les poux rouges, il y en a sur toutes les poules. Ça aussi, c'est un truc que je voulais vous dire. Vous achetez des poules, machin, vous dites ouais, c'est cool, elles sont en bonne santé. Non, il y a forcément des poules, des poux. Sur toutes les poules, il y a forcément des poux. Surtout là, ici, qu'on est en pleine garrigue, que tout est ouvert, on a des moineaux, on a des tourterelles, donc on a des poux. C'est voilà, c'est comme les abeilles, ceux qui disent ah non, moi j'ai pas de varroa dans mes ruches, voilà, contrôle bien tes ruches et après tu viendras dire qu'il n'y a pas de varroa, quoi. Ben là c'est pareil. Donc pour contrôler aussi si on a des poux ou pas, on peut mettre un petit mouchoir blanc, une feuille blanche ou un morceau de sopalin blanc, quelque chose de blanc qu'on va plier. On fait plusieurs plis, donc on plie une feuille blanche à 4 par exemple en plusieurs, ou un mouchoir. Et on va mettre comme ça des morceaux pliés à plusieurs endroits dans le poulailler. Et vous revenez le lendemain matin ou vous le laissez quelques jours et vous dépliez. Et vous allez voir là un peu comme je vous montrais là ici. Voilà. Hop, là vous voyez, ça bouge, là ça bouge. Et bien ça vous fera exactement la même chose. Et les varroas pour les abeilles, c'est la même chose. Voilà, on utilise du papier blanc parce que c'est plus visible, on va bien les voir et ça permet d'avoir un contrôle. Donc voilà, croyez pas parce que vous venez d'acheter des poules ou parce que vos poules sont en plein air ou j'en sais rien, que vous avez un poulailler 100% sans bois, que vous avez tout géré, les joints. Ça, je pense, ça coûte pas grand-chose à faire une à deux fois par an d'aller mettre des androlis, de passer, de faire des cures de vinaigre à 14% régulièrement. Voilà. Terre de diatomée aussi. Enfin, voilà, il y a plusieurs produits naturels, mais on va dire que les trois qui sont intéressants. La terre de diatomée pour qu'elles aillent se frotter dedans. On met aussi un petit peu aux endroits critiques. Le vinaigre à 14% ou plus, parce que plus il est acide, plus ça va brûler. Donc la peau des insectes et les androlis. Voilà. Si vous êtes chaud d'avoir des nouvelles sur les androlis, tenez-moi au courant.
Soyez, voilà, tout le monde peut participer, envoyer des commentaires hein, si vous avez des questions ou des sujets à aborder que j'aurais peut-être pas abordé, que certains voudraient avoir des infos. Voilà. Voilà, j'essaie de. Non, mais j'ai fait le tour. Voilà, toutes vos poules ont forcément des poux à plus ou moins grande échelle. Il y a différents produits naturels qui existent. On peut les utiliser. Voilà, c'est bien mieux que d'utiliser la bombe nucléaire pour pas grand chose. Parce que surtout, on sait qu'à chaque fois que vous mettez des produits chimiques, il y a des résistants. Alors qu'avec les produits naturels, étrangement, il y a beaucoup moins de résistance, quoi. Voilà, bon, on va pas faire un débat là-dessus. Enfin, on pourrait, hein, moi je suis ouvert à ça. Il n'y a pas de souci, mais je ne suis pas assez technico-technicien pour connaître tous les tenants, les aboutissants. Bref, voilà, vous le savez, ici on essaie de vulgariser un peu les choses, d'amener voilà, un petit peu de savoir, savoir-faire, savoir-être. Mais je ne suis pas voilà, un expert et je ne me positionne pas comme ça, quoi. L'idée, c'est d'amener des infos, qu'on partage les infos les uns les autres. Voilà, c'est pour ça que tout le monde est bienvenu à pouvoir participer. Voilà, ils vont descendre en bas, les loulous. Allez, sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Et moi, ben, je vais continuer à mettre les Androlis dans le poulailler. Voilà, voilà. Donc clairement, voilà, juste pour finir, j'en ai mis vraiment partout. Hein. C'est-à-dire que là, il y a des nouvelles poules qui pondent, enfin qui nichent, donc qui dorment dans la tente à foin. Il y en a qui sont sous l'abri des lamas, avec les lamas. Donc pareil, bah, j'ai été saupoudré un petit peu, voilà, des Androlis, quoi. Les nouvelles poules ne pondent pas encore. Donc quand on accueille une nouvelle poule chez soi, ça peut aller de quelques jours à 4 semaines sans pondre. Donc c'est tout à fait normal. Vous dites pas oh là là, la personne m'a arnaqué ou j'en sais rien, les poules elles sont trop vieilles, en fait trop jeunes, elles pondent pas encore. Voilà, le stress du déménagement, faut le temps qu'elles prennent leurs habitudes, tout ça. Et après elles vont pondre, donc il y a toujours une petite période où il n'y a pas de ponte. Mais c'est normal. Là les cocottes, ça doit faire. Putain, les dates, c'est compliqué. Je sais pas, entre bien une semaine, ouais une semaine aujourd'hui, oui, ça fait pile une semaine, voilà, donc une semaine qu'elles sont là, elles pondent pas encore, c'est tout à fait normal, voilà, de quelques jours à 4 semaines à peu près. Allez, on va faire un petit bisou à cette poulette et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao.